Alors, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici, on est devant le Xenia, oui. Le fameux Xenia qui se trouve près du comptoir chez toi, hein, donc qu'on a montré pas mal de fois l'évolution de ce bac marin. Oui. Et bon, maintenant, il y a un petit changement dans la gamme. Oui, c'est la gamme change, il ne porte plus le même nom. Hein. Au lieu de s'appeler Xenia, il s'appelle maintenant Armatus. Et il est décliné maintenant dans une dizaine de modèles différents, tailles différentes, longueur, largeur, hauteur. Ici, celui qui est derrière nous, le Xenia, faisait 65 cm de profondeur, donc en largeur, ce qui était sa qualité principale, c'est d'avoir donc cette bonne profondeur. Donc ça, c'est le cas maintenant pour tous les nouveaux Armatus en version XD, qui veulent dire extra deep, évidemment. C'est de là vient le terme XD, donc on pourra montrer en image tout à l'heure. Bon, il existe dans 4 longueurs, 75, donc 75 pour nos amis français, 1 mètre, 1 mètre 25 et 1 mètre 50. Donc 4 déclinaisons pour la version XD avec chaque fois la technique en dessous. Quels sont les changements par rapport à la gamme Xenia? Ils ont corrigé, je dirais, les quelques petites choses qu'il y avait moyen d'améliorer, en l'occurrence la taille de la décante. Hein, pour le modèle qui est ici derrière moi, c'est vrai que même s'il tourne très bien, et la preuve en image. La taille de la cuve technique était assez limitée. Donc on a une cuve technique maintenant qui est plus spacieuse, une réserve d'eau qui est un petit peu plus grande aussi que ce que c'était. Donc une meilleure accessibilité, plus pratique à l'entretien. Même niveau de finition pour la cuve, donc toujours du verre rodé poli, tout ça, donc très bien fini. Des meubles aussi qui tiennent la route, qui sont bien. Un petit réservoir qu'ils ont mis en dessous de la cuve de décante parce que on s'est rendu compte avec le temps, comme tous les meubles, ou comme beaucoup de meubles en tout cas, quand il arrive de l'eau de manière accidentelle dedans, ben ça peut faire des dégâts au niveau du meuble si on ne le voit pas tout de suite et si on ne sèche pas. Donc ça, ils ont corrigé, on le verra ensemble. Ben, on peut peut-être regarder sur les détails au niveau de la partie technique des évolutions. Eh bien, ça va, ben restez avec nous. On y va. Alors voilà, donc ici on a un petit aperçu de la cuve de décantation, donc une cuve en verre rodé poli, collé au silicone noir, une filtration mécanique sur poche, comme on a déjà pu voir et qui est à la mode évidemment. Donc pratique au niveau entretien, une réserve d'eau qui est facile d'accès, donc facile à recharger et à remplir. Un compartiment où il y a l'écumeur avec un niveau d'eau qui est réglable à l'aide d'une vitre qui est dans une glissière, donc on peut vraiment régler le niveau d'eau qu'on veut pour l'endroit où se trouve l'écumeur. Et le compartiment à l'arrière où il y a la pompe de remontée qui repart vers l'aquarium où il y a un petit système de flotteur qui est connecté sur la réserve d'eau osmosée et le petit flotteur qui est un contact mécanique qui est ouvert ou fermé en fonction du niveau du compartiment où se trouve la pompe, tout simplement. Voilà, après, bon, bien sûr, on rajoute un éclairage. Voilà, l'éclairage, alors ça, on ne les met généralement pas. Enfin, les gens vont voir sur le site, hein, on propose des modèles où il n'y a que la structure, c'est-à-dire aquarium, cuve et décante, sans technique. Et où on propose des modèles complets, clés en main, où il y a l'écumeur, l'éclairage, tout ce qu'il faut. On propose des différentes solutions sur le site. Ok. Voilà, bon David, ça c'était pour le remplaçant de l'Aquarius, hein, voilà. On rappelle. Non, l'Armatus. Du Xenia. Oui. On rappelle l'Armatus. Voilà, Armatus, donc dans les différentes déclinaisons, les classiques, et puis les XD pour les spécialement larges qui existent dans 4 longueurs. C'est ça. Donc, il n'y a plus qu'à. Oui. Faites-vous plaisir. Ça se trouve sur le site, des sets complets, évidemment, oui. Avec éclairage et tout ce qu'on veut. Voilà. Comme ça, ça vous permet de ne pas vous tromper non plus. Il y a les deux. Hein. On a proposé les versions sans matériel pour des gens qui ont déjà du matériel ou qui veulent vraiment choisir le matériel à la carte. Et ensuite, vous avez la version complète où on met tout le matériel dessus pour permettre à quelqu'un qui n'a encore rien d'être équipé directement. C'est ça. Bien, je te remercie, David, pour toutes ces explications. Moi, il me reste à vous dire eh bien, à très bientôt. Et puis, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.